Bonjour, salam, shalom aleichem mes amis, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler encore coronavirus. Combien de temps ça va durer? Coronavirus actuellement, en Europe et dans le monde entier, fait des dégâts, beaucoup de dégâts. En Chine, ils ont pu maîtriser, enrayer le virus, vite fait, en quelques mois, et avec peu de victimes. En France, on a des centaines de morts par jour. Et il y a un mois et quelques, j'ai fait une vidéo, j'ai demandé, j'ai fait un appel au président de la République en disant pourquoi on n'utilise pas le rayonnement UV, des lampes UV contre le coronavirus. Là, j'ai vu des articles comment les Chinois utilisaient et utilisent UV pour maîtriser, pour enrayer cette saloperie, excusez-moi. Les lampes UV. Là, dans l'article, vous verrez, c'est écrit. Je vous laisse les liens sous ma vidéo. Car avant, déjà, pour désinfecter un bus avec les pch-pch-pch-pch qu'on utilise en France, ça prenait 40 minutes. Avec des lampes UV, 5 minutes. En 5 minutes, on extermine, on désinfecte pas, on stérilise complètement l'environnement. Et même si, par hasard, un virus survit, il sera inoffensif parce que le rayonnement UV stérilise toute matière vivante. Et même si on absorbe ce virus touché par le rayonnement, il ne pourra pas se reproduire. Il mourra. Alors, pourquoi le gouvernement français n'en fait rien sur ce sujet-là? On préfère de hurler tous les jours, oh là 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 là! On a des morts et des morts, et on ne sait pas quoi faire. Pourquoi on préfère vider les caisses de l'État sur n'importe quel sujet, type de lutte contre le coronavirus, quand on peut seulement stériliser, désinfecter tous les endroits publics avec le rayonnement UV. Même pour les frigos, on peut acheter des ampoules UV. Vous remplacez votre ampoule habituelle par UV. Chaque fois, quand vous ouvrez le frigo pour quelques secondes, le rayonnement UV touchera. Toute la surface touchée par le rayonnement UV sera stérilisée. On utilise le UV pour purifier l'eau potable. Alors, pourquoi on dort? Ça va durer combien de temps tout ça? La comédie, où l'objectif de l'État est de financer et chercher le vaccin pendant des mois, voire des années, au lieu de lutter déjà le coup préventif contre le virus, le rayonnement UV. Actuellement, on mène une bataille. Macron a dit que nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre, mais on lutte contre l'adversaire qui se trouve dans un char avec une pierre. On utilise la pierre contre le char. Ça va durer combien de temps? On ne pourra pas enrayer le virus par ces moyens-là. Il faut utiliser l'arme radicale. UV, c'est la solution. Voilà. Merci de votre attention. Je vous répète, je laisse les liens sur les articles sous ma vidéo. Et si vous voulez chercher la lutte contre le coronavirus par les rayonnements UV en Chine, faites les recherches sur Internet et vous verrez comment les Chinois ont réussi à enrayer cette saloperie. Portez-vous bien, prenez soin de vous pour l'instant. En attendant, utilisez le masque et les gels et les sprays avant que Macron comprenne qu'il faut utiliser quelque chose de plus radical. Merci beaucoup.